Hello, I'm Christophe Duquesne, instrument maker, developer and sound designer working with companies like Hacken Audio on the Continuum fingerboard or company like TipTop Audio on their ZDSP. Hello, I am Marc Lucas. Je suis luthier, je fabrique de la guitare depuis 1987. J'ai eu aussi l'occasion de travailler dans l'industrie du bois qui me permet de maîtriser aujourd'hui l'ensemble des outils modernes de production. We met a little more than 2 years ago, and that was the meeting of a stringed instrument maker who wanted to add electronic in his instrument, and of a synth maker who wanted to bridge the electronic world of music with the acoustic world. Since then, we built a lot of interim prototypes, finally arriving to 2 refined designs. We now have the Onde and the Pyramid. Recently, an analog electronic specialist, Luc Bourachot, joined the team for the design of a custom dedicated amazing class A amplifier. Donc, je m'appelle Luc Bourachot et je suis le concepteur de l'ampli de la pyramide que vous voyez ici. Alors là, c'est le proof of concept de cet ampli qui nous a permis de valider toute l'électronique qui va être embarquée dans la pyramide. On a choisi un ampli de classe A de 2 x 40 watts qui va être installé dans le caisson en dessous de la pyramide et qui va apporter à la pyramide toute la musicalité qu'elle est capable de dégager. C'est un ampli qui est réputé très musical et qui a aussi un des gros avantages, c'est qu'il a énormément de bandes passantes et également très peu de distorsions de croisement. Et ce qui nous a semblé essentiel par rapport à la conception même de la pyramide, c'est d'avoir des temps et une dynamique très importante, ce que cet ampli est capable de faire. Cette conception d'ampli est réputée très musicale et surtout, elle offre des avantages qui sont liés à la pyramide en elle-même, puisqu'elle est en bois, avec des excitateurs posés à même le bois. C'est-à-dire qu'on n'a pas de membrane à faire bouger. On a donc ici les 2 voix sur cette maquette qui seront ramenées sur la production à un seul radiateur. Une large alimentation qui sera conservée et également un transfo largement surdimensionné qui sera là pour répondre à tous les appels de puissance que la pyramide pourra donner. Toutes les pièces qui rentrent en jeu dans la composition de cet ampli sont tous certifiées et vérifiées une à une. Un des aspects importants de cet ampli, c'est qu'il sera modulaire. Cet ampli pourra recevoir 3 modules optionnels et dans ces modules optionnels, on va retrouver une large gamme qui couvre des besoins de prises supplémentaires, mais aussi bien des entrées micro statiques ou des micro dynamiques sur entrée XLR avec des transformateurs d'isolement et aussi des alimentations fantômes qui sont prévues dessus. On retrouvera également un module AirPlay, on retrouvera un module Bluetooth, on retrouvera également des modules pour, je dirais, des studios spécialisés, tels que des entrées XLR avec des transfos de haute qualité qui seront soit des Jensen ou soit des Lundahl. Ces modules, bien évidemment, seront additionnables à la concurrence de 3 modules sur la pyramide au maximum. Bien sûr, il y a une connectique de base. La connectique de base sera des jacks 635 et 2 prises RCA, bien évidemment, qui s'occuperont de gérer les 2 canons. La pyramide a également un gros avantage, c'est que sur ce modèle-là, avec ampli intégré, cet ampli intégré, l'ampli de classe A intégré, on aura la possibilité de raccorder 2 pyramides ensemble. Il y aura une pyramide maître et une pyramide esclave. Tout ça contrôlé par l'ampli qui sera dans le caisson de la pyramide. Autre chose aussi à dire sur cet ampli, il pèse lourd. Et il est fait main, entièrement fait à la main, avec un burning de 24 heures et une reprise des réglages, bien évidemment, avant sa sortie en production sur une pyramide équipée. C'est un bel objet, c'est un bel objet. Il m'a demandé beaucoup de travail, j'en suis assez fier. J'espère que vous l'apprécierez comme moi je l'apprécie. En tout cas, c'est un bel ampli qui marche très bien avec la pyramide. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Il y a quelque chose qui se passe et je vous défie de mettre n'importe quel autre ampli. Vous n'aurez jamais le même niveau de détail que celui-ci. Moi, dans cet ampli, j'y ai mis tout mon talent.
Donc, c'est le meilleur accord qu'on a trouvé entre un ampli de classe A et la pyramide. Vous aurez un niveau de détail, vous aurez des basses rondes, bien posées, bien placées, et vous aurez des aigus filants. Et quand vous en ferez l'écoute, les premiers surpris, ce sera vous.